Good morgen, à la Yidan et Sussra aujourd'hui, le Nishmat, Machlouf Micha ben Masouda, Nachman Yosef ben Nachum, Avram Michael Norbert ben Fortune, Mazal Dov ben Yehudit, Yaakov Nissim ben Chana et Rosette Zohara, Bat Sultana, si vous savez que vous citez une prochaine étude de Mishnah, qu'on fait peut-être 5 minutes éternelles, nous avions Messachat Mila, Perikei, Mishnah Dalet. Natal Even Okora Shel Hegdesh, Arize Lo Ma'al. Netana la Chavero, Hu Ma'al, Ve Chavero Lo Ma'al. Bena'a Betoch Beto, Arize Lo Ma'al, Ad Sheyadur Tachtea, Beshave Pouta. Natal pouta shel hegdesh arezelo maal. Netana la chavero hu maal va chavero lo maal. Netana la balan afalpi shelo rachatz maal shehu omer lo. Aremer rachatz ptucha ikanes u rochotz. Mishnah qui s'intéresse à nous définir à partir de quand précisément on transgresse l'interdit de Meïla. Meïla, c'est, comme ce qu'on a déjà expliqué plein de fois, faire un sacrilège. Utiliser quelque chose qui est kadosh. Donc prédestiné à Hachem à être un korban, ou bien même au Bedek Abayit, à la trésorerie du Bet Hamikdash, et on l'utilise à son propre intérêt, à son profit, donc on transgresse l'interdit de Meïla. À partir de quand, précisément, transgresse-t-on l'interdit de Meïla? C'est le principe de notre Mishnah qui va nous parler de deux cas de figure, chacun va être séparé en trois cas. Un, on va parler d'une pierre, d'une brique, qu'on a voulu offrir au Bet HaMikdash, et l'autre va me parler d'une pièce qu'on a utilisée. Et je commence à traduire dans la première situation, c'est Natal Even Okora Shel Hekdesh. Il a pris une pierre, une brique, une pierre de construction, Okora Shel Hekdesh, ou une poutre du Hekdesh. Je vais traduire les trois cas de figure, comme ça on aura une idée générale, et puis on va les préciser ensuite chacun à son tour. Natal Even Okora Shel Hekdesh, il a pris une pierre, donc, ou une poutre, qu'il a offert au Hekdesh, qui appartient au Hekdesh, a réalisé l'Oma'al. Il n'a pas encore transgressé l'interdit de Mela depuis le moment où il a juste soulevé. Par contre, Netana la Chavero, s'il l'a donné à son ami, à son prochain, Hu Ma'al va Chavero l'Oma'al. Lui-même transgressera l'interdit de Meila, mais son ami ne transgressera plus l'interdit de Meila. Selon le principe après hier, que dès qu'on a transgressé l'interdit de Meila, l'objet devient profane. Il n'y a plus de Gdusha, donc de ce fait, l'ami ne transgresse plus l'interdit de Meïla. Bna'a betoch beto, si maintenant cette pierre-là, il l'a construit dans sa maison, a reizé lo ma'al, il n'a pas encore transgressé l'interdit de Meïla pour le moment. Ad sheyadur tartea beshave pruta, jusqu'à qu'il va commencer à vivre, à tirer profit de sa maison, d'une valeur d'une pruta, parce que, on va expliquer d'abord, je vais d'abord faire de l'ordre. Ça touche un petit peu aux Mishnah précédentes, mais le principe, il est simple. L'interdit de Meïla, donc c'est, j'ai une pierre, par exemple une brique, que j'ai sanctifiée, qui appartient à la trésorerie du Beth Amikdash, et donc maintenant, la Mishnah enseigne comme ça, tu sais, et quand tu l'as soulevée dans les mains, c'est pas encore Meïla, même si tu n'as pas encore transgressé l'interdit de Meïla. Pourquoi? Parce que, pour le moment, c'est qu'un déplacement de matière. On va expliquer que c'est pas du tout vrai. C'est que dans un cas précis. Mais pour le moment, c'est le principe général que la Mishnah nous dit. Là, c'est un déplacement de matière. Bon, c'est vrai qu'en général, tu prends la pierre de ce coin-là, tu vas la mettre dans l'autre coin de la chambre, tu ne le fais pas avec l'intention de te l'accaparer. Et là, tu le fais avec l'intention de te l'accaparer. Mais c'est pas encore grave, tu ne transgresses pas encore l'interdit de Meïla, tel que la Mishnah me le dit pour le moment. Par contre, si tu es parti voir le voisin qui cherchait lui ou mettre une pierre, il cherchait une pierre pour pouvoir la construire dans son mur, tu lui dis, tiens, j'ai une super pierre. Tu as oublié que c'était la pierre du Hekdesh. Dès que tu l'as transmis dans les mains, tu as transgressé l'interdit de Meïla. Ça, c'est la deuxième cas de figure, de Netanal Chavero. Par contre, si toi, maintenant, tu as pris cette pierre, tu étais chez toi, tu as voulu donc la construire, tu l'as soulevée, tu ne transgresses pas encore l'interdit de Meïla. Dès que tu vas là, littéralement, dès que tu vas la construire, tu vas la fixer dans le mur, là, tu vas transgresser tu transgresses pas encore l'interdit de Meïla jusqu'à que tu vis dans la maison, l'équivalent d'une prouta, que tu as tiré en profit d'une prouta. Tel que la Mishnah l'a présenté, voilà ce qu'elle me dit. Seulement, les deux halakhot, elles ne sont pas du tout vraies, elles sont fausses même. Et le Barthénois nous précise chaque cas de figure dans quel cas précisément ça s'est produit. On parle précisément du Gizbar. Le Gizbar, lui, c'est celui qui. Tout, le Gizbar, c'est le trésorier du Bet HaMikdash. Pour lui spécifiquement, la Mishnah me dit sache que pour le moment, même si tu le prends à tes fins, pour le moment, t'es le Gizbar, tu ne l'as pas encore fait sortir de la propriété du Hekdesh. Et j'explique un petit peu mieux, c'est le même principe que les lois du vol. Quand on vole de quelque chose qui appartient à son prochain. Et voler, c'est pas qu'une intention.
C'est un acte concret d'avoir, de s'être accaparé la chose, de l'avoir fait sortir de la propriété du propriétaire précédent pour le faire entrer dans sa propre propriété. Imimatse timatse beyado agneva. Le principe de la Meïla, hein, transgresser l'interdit de Meïla, c'est aussi c'est fondé sur le même principe de voler ce qui appartient au Hekdesh. Or, voler. Si ce livre il vous appartient et je vais le soulever avec l'intention de le prendre, il devient le mien. Selon ce principe, si quelqu'un il a une pierre qu'il a sanctifiée et qu'elle appartient maintenant au Hekdesh, il va aller la prendre pour soi-même, il va transgresser l'interdit de Meïla depuis le moment où il la soulève. Au même titre que s'il va la donner au voisin, parce que le changement de propriété aussi, c'est aussi un... Ça y est, tu l'as fait sortir, tu l'as arraché de la propriété du Hekdesh pour devenir la propriété d'un être humain. Donc tu as transgressé l'interdit de Meïla. Alors de qui on parle dans la Mishnah? On parle spécifiquement du trésorier du Beth-Amikdash. Il y a une alarme dans les Shomrim, que si ce livre-là, je vous ai dit, ce livre qui avoue, je le soulève avec intention de le prendre pour moi-même, je transgresse l'interdit de voler. Mais si toutefois, ce livre qui était le vôtre, vous me l'avez confié pour le garder. Alors là, je suis gardien. Lorsque je vais simplement le soulever, je ne suis pas encore un voleur, même si j'ai intention de le prendre. Jusqu'à que je vais l'utiliser concrètement, et on va sortir, on ne va pas en presser plus, c'est un peu plus large, mais c'est le principe. Dès que je vais, ça ne suffit pas de le déplacer uniquement, il faut que je l'utilise, que je lui... Shlichutia de Tzricha Chisaron, c'est les mots de la Gemara. Il faut non seulement le prendre pour soi-même, mais l'utiliser et même aussi le faire manquer, le faire perdre de quelque chose un petit peu. Donc il faut spécialement, en tout cas, un simple déplacement de matière ne fait pas jusqu'à que je vais concrètement en tirer profit. Donc, je répète, si vous avez sanctifié quelque chose, vous avez une pierre chez vous, dès que vous allez vous la soulever pour en tirer profit, ça y est, maintenant vous êtes en train de la voler, donc maintenant vous êtes en train de transgresser l'interdit de Meïla. Si vous êtes le trésorier du Beth Amikdash, le simple fait de soulever, même avec l'intention de vous l'accaparer, c'est pas encore une transgression, parce que pour le moment c'est juste un déplacement de matière, mais sans faire sortir de la propriété, jusqu'à ce que vous allez l'utiliser ou le donner à quelqu'un. Donc dès que vous avez ensuite le donner à quelqu'un, vous allez transgresser l'interdit de Meïla. Maintenant, si je la construis, cette pierre-là, je la mets chez moi dans un mur, j'avais un trou dans un mur, je la mets dans un mur. Alors là, la Mishnah me dit que tu sais, tu ne transgresses pas encore l'interdit de Meïla jusqu'à ce que tu vas habiter dedans. Même cette halakha-là, elle est fausse. Elle n'est pas exacte. On parle d'un cas très restreint en particulier. On parle d'un cas où tu l'as mis dans un trou sans la fixer au mur. C'est-à-dire, s'il y a réellement un trou dans le mur, vous avez besoin, vous prenez du ciment et vous mettez cette pierre, vous la placez dans le mur, de manière à ce que maintenant la pierre, on ne peut plus la retirer. Il s'avère que maintenant, votre maison, elle avait un trou, elle coûtait 950 000 shekels. Maintenant, vous avez bouché le trou, elle coûte 1 million de shekels. Donc, cette pierre-là, le simple fait de la construire, ça a apporté une plus-value au bien. Ça a amélioré le bien. Donc, c'est sûr qu'on transgresse déjà l'interdit de Meïla depuis le moment où on va construire la pierre. Alors, de quoi la Mishnah nous parle? On parle qu'il y avait un trou, et que vous avez bouché le trou sans fixer la pierre. Vous pouvez encore la retirer. De ce fait, on ne transgresse pas l'interdit de Meïla depuis le moment où on la met dans le mur, jusqu'à que vous allez tirer profit d'elle, d'une prouta. Étant donné que c'est pas quelque chose, c'est pas un, comme on avait dit les mots là, j'avais noté les mots clés, c'est un bien inusable, c'est pas dégradable, ça se dégrade pas, ça s'abîme pas, une pierre qu'on utilise dans un mur, ouais, on se met pas à refaire les maisons tous les 30 ans parce que les murs ils ont fondu, c'est pas du sucre, c'est la pierre, ça bouge pas. Donc, selon ce principe, puisque c'est un objet, ouais, par rapport à la Mishnah Bet, puisque c'est un objet qui ne s'use pas, il n'y a pas d'usure, il n'y a pas d'érosion, tellement, eh bien, dans ce cas-là, on transgresse l'interdit de Meïla dès qu'on va tirer profit. Donc, vous avez maintenant bouché le trou sans fixer la pierre. Dès que vous allez en tirer profit d'une prouta, c'est-à-dire, concrètement, c'est l'exemple qui rapporte le Bartanora, vous avez des fruits à la maison et il pleut dehors. Et si l'eau, elle va rentrer, ça va vous faire tourner les fruits, ça va les faire pourrir. Il y a de l'eau qui va partir en dessous, puis après, ça va les abîmer. Dès que vous allez tirer un profit d'une valeur d'une prouta que maintenant, c'est sûr que vous avez réussi à sauver, empêcher des dégâts des fruits d'une valeur d'une prouta, eh bien vous avez transgressé l'interdit de Meïla. Mais tant que vous l'avez juste mise dans le mur, puisqu'elle n'est pas fixée, il n'y a pas d'interdit de Meïla. Même principe maintenant dans une deuxième situation, même idée, avec une confusion, avec des... C'est le même principe. De nouveau, Natal Pruta Shel Hekdesh, il a pris une pièce qui appartient au Hekdesh, a résolu mal, il a prise pour aller la dépenser, il n'a pas encore transgressé l'interdit. Même principe,
On parle toujours du guise-barre du trésorier. Parce que si c'est moi qui vais prendre la pièce, je ne suis pas gardien. Si je ne suis pas gardien, dès que je vais prendre la pièce pour moi, ça y est, je l'ai, comment dire, je l'ai extra-propé. Oh, j'ai retiré la propriété du Hekdesh, d'accord, je l'ai utilisé. Et donc, Natal Proutach Hekdesh, il a pris, mais si je suis le Gizbar, j'ai pris la pièce, même si j'ai eu l'intention de la prendre pour moi, pour le moment, je n'ai pas retiré la propriété du Hekdesh, parce que je suis le Gizbar, ma main, c'est comme la main du Hekdesh, c'est la définition aussi. Et donc, Arizel Omal, il n'y a pas eu d'interdit de Mela pour le moment. Netana la Chaveru, cette pièce-là, il l'a donnée à son prochain pour qu'il aille s'acheter ce qu'il veut. Il en a fait cadeau. Ah, tu l'as prêté, depuis ce moment-là, ou Maal, la Chaveru Omal. Toi, tu transgresses l'interdit de Mela, mais lui, il ne transgresse plus l'interdit de Mela. Pourquoi lui, il ne transgresse pas l'interdit de Mela? Comme on a appris dans la mishnah précédente, la pièce, elle est devenue profane maintenant. Ensuite, Netana la Balan, il a donné cette pièce au Balan. Au Balan, c'est le responsable de la douche, celui qui s'occupe. Aujourd'hui, le Balan, c'est au Migvé, la Balanite, celle qui s'occupe de tromper les femmes, de vérifier. Mais initialement, le Balan, c'est celui qui est responsable sur les bains publics, la douche publique, les bains publics. C'est le Balan. Donc, dès qu'il va donner cette pièce pour le Balan, la Mishnah en scène, sache que Afal Pichelor Achatz, même s'il n'est pas encore rentré pour se laver, eh bien, Maal, il a déjà transgressé l'interdit, dès qu'il va donner la pièce. Pour quelle raison? Chez Wo Merlo, car le balan va lui dire Remerchatz Petucha, regarde, la douche, elle est ouverte. Ikanes Urchot, rentre et lave-toi. On explique un petit peu mieux. Ça paraît simple, mais c'est un peu plus subtil. Il y a une petite finesse à comprendre en réalité. Ça se passe comme ça. Si j'ai donné une pièce pour acheter quelque chose, si le fait d'avoir donné la pièce m'a fait acquérir, contrepartie de la chose, de manière à ce que l'autre ne peut plus me rendre l'argent, il est obligé de me rendre l'objet ou le service, et bien il s'avère que dès que j'ai donné la pièce elle a été acquise par lui. Par contre, si, d'abord je parle en théorie, après on va essayer d'exprimer un petit peu plus concrètement, mais si depuis le moment où je lui donne la pièce, pour le moment il n'est pas encore obligé de me rendre la marchandise, il peut décider de me dire, bon tu sais quoi, il ne veut plus vendre, mais il me rend la pièce. Il s'avère que la pièce que j'ai donnée pour le moment, c'est juste un déplacement de matière. Ça ne prend pas une allure de Meïla, puisqu'il va me donner la marchandise en retour. C'est un principe général et qu'on retrouve précisément ici. Lorsque vous avez n'importe quel employé, alors ça se passe comme ça, il y a deux types d'employés. Il y a des employés où il va vous rendre un service, et il y a des employés où il faut... Il y a des employés où il utilise des outils. D'accord? Par exemple, L'Agmara prend l'exemple dans Baba Metzia d'un coiffeur. Peu importe. Ce que je veux vous dire, c'est ça se passe comme ça. Il y a des employés où depuis le moment où je veux le payer, il me doit en contrepartie le service. Mais il y a d'autres employés où le fait de le payer ne suffit pas encore pour qu'il me donne le service. Il a la possibilité de me rendre l'objet jusqu'à que je fasse Meshicha, que je fasse un Masekinyan en utilisant ces objets. Ouais. Et de ce fait. On va prendre un cas d'un coiffeur, par exemple, depuis le moment où je lui ai donné la pièce pour qu'il me coiffe, bah figurez-vous, je ne transgresse pas encore interdit de Meïla, jusqu'à que je vais soit prendre le ciseau, soit faire un acte qui va matérialiser un petit peu plus l'engagement. Parce que pour le moment, dès que je l'ai payé, il peut me rendre. À la différence du Balan, que depuis le moment où j'ai payé, s'il veut, si je réclame finalement mon argent, je dis non, finalement, je ne vais plus me laver chez toi, je vais aller me laver ailleurs, eh bien, il va me dire non, non, ça y est, tu m'as donné la pièce, moi, de mon côté, mon devoir, c'est de te mettre à disposition le bain pour que tu te laves. Il est à disposition, débrouille-toi avec. Puisqu'il a la possibilité, c'est ce que la Mishnah vient m'enseigner. Netana la Balan, il a donné la pièce au Balan. Afalpi shelo rachatz, même si je ne me suis pas encore lavé dedans. Maal, j'ai déjà transgressé l'interdit, mais il a pourquoi? Shehu omerlo, parce que le Balan, il va me dire, Are merchatz petucha, ça y est, tu m'as donné la pièce, moi. Le bain, il est ouvert, je t'en prie. Ikanes uchotz, viens, rentre et lave-toi si tu veux. La disposition, j'ai plus d'obligation de. T'es plus en droit de me réclamer ton argent. Maintenant, tu m'as payé pour la prestation de service. Elle est là, le service, il est là, je t'en prie, sers-toi. De ce fait, donc, il y aura déjà eu l'interdit de Meïla, d'accord? Ce que je vous ai expliqué, ça se trouve dans le Vartanora, dans le Sodium Tov plutôt. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha Kol Tov, c'est là.